salut. Ouais, je teste une nouvelle caméra. Caméra motovlog. Au guidon. Voilà. Bon, aujourd'hui, une sortie pas comme les autres pour moi. Parce que je vais rejoindre un petit groupe. Le groupe de la page Facebook Motard 2607. Bon, c'est un groupe qui compte environ 1000 membres. Mais là, on devrait être que 6 ou 7. Donc ça fait un moment déjà que je suis sur le groupe, mais j'ai jamais roulé avec eux. En plus, là, il y aura le créateur du groupe, Mike. J'ai rendez-vous d'ici les 3 quarts d'heure à Cré. Cré dans la Drôme. Avec le groupe. Et après, on doit se faire le col du Rousset, normalement. Donc, du coup, là, le programme, je pars gonfler les pneus, plutôt contrôler la pression des pneus. Voilà, tranquillou. Et après, je pars à la route pour le lieu de rendez-vous. Depuis Valence, il y a une demi-heure de route, quoi. Donc, du coup, je couperai la caméra jusqu'à là-bas, histoire d'économiser un peu la batterie. Et voilà! Ah, j'avoue, j'ai un peu la pression parce que la seule sortie de groupe que j'ai fait avec des motards que je connaissais pas, ça roulait trop fort pour moi. Et du coup, j'avais pas forcément pris mon pied. Bon, là, normalement, ils annoncent un rythme tranquille. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui, mais. Ah putain, du coup, tu m'as fait louper ma vitesse là. Tu me mettras après ton CD. Hein. Donc voilà, voilà. Donc un petit peu de stress d'aller rouler en groupe. Mais bon, y a pas de raison, ça va le faire. Ça va être sympa. J'avais envie de rouler, ça me démangeait depuis toute la semaine. Donc c'est cool. Bon, en même temps, j'ai repositionné mon micro. Je vais peut-être parler moins fort d'ailleurs. J'ai repositionné mon micro plus près de la bouche. Parce que depuis que j'avais mon nouveau casque, j'étais pas arrivé à le remettre correctement et... C'est pour ça que j'avais jamais refait de vraies vidéos parce que le son était trop pourri. Non, t'as pas le droit de tourner là. Très bien, ligne blanche, monsieur. Eh ben si, il y va quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Salut. Donc je sais même pas quelle heure il est là, mais bon, c'est pas grave. Allez. 2h20, je fais la pression et j'y go. Ça me dit bien la balade qu'on fait là. La vallée de l'Arieux, ça me dit bien, je la connais un peu. Ça met plus en confiance. Avec le groupe Motard 2607, il y a de tout, il y a de la Harley, il y a de la sportive, il y a du roadster avec mon G6, je suis à peu près dans le milieu de tableau, il y a des jeunes permis, donc c'est cool. On part dans l'Ardèche par la vallée de l'Arieux que je connais pas trop mal. Ça me rend confiance pour ma première sortie de groupe. Et voilà, on est combien? On est, je sais pas, 13 motos. 13-14. Ah, c'est excellent, ça roule pas trop vite pour l'instant. Tout le monde s'attend, on a un beau groupe. Ah, j'adore. J'adore. On s'attend.
C'est moi, je roule pas violent non plus, après on s'attend, hein. Ah, bah ouais. Ah, mais c'est pas grave. C'est la deuxième fois qu'on fait une balade comme ça avec des receveurs et ça roule toujours trop fort. Moi, ça me rassurait qu'il y avait de la Harley, justement. Mais bon. Si vous ne voyez plus. Ouais, ça roule. Ok. Dans la vallée de Lérieux, on part jusqu'au Chélard. Pour l'instant, on a eu presque, enfin, pratiquement que de la ligne droite. Donc, ça roule, voilà, ça roule bien, mais normal quoi. Sauf pour ceux qui suivent en Harley, un peu plus compliqué. On va voir comment, on va voir ce que ça va donner quand on va attaquer la vraie montée. Si c'est à mon rythme, non, dans tous les cas, je roulerai à mon rythme. Pas de doute là-dessus. Allez, à partir de là, ça roule. Calmer tout le monde, il y a la gendarmerie devant. Ah là, ça va pas doubler là, hein. Au moins ça permettra peut-être à ceux qui sont derrière de nous rattraper. C'est beau ça. Enfin un peu de fraîcheur. Quelqu'un fait une autre arme. Hein? C'est clair, ça se resserre d'un coup. C'est clair. Moi, ça, tu vois. Les Harley, c'est vrai que c'est un peu plus de mal, forcément. Je me suis calé derrière là, sur le petit groupe là. Ça va, je suis. Il m'en faudrait pas plus, mais là, ça va. C'est terrible, bien. Ouais. Celui qui a la Suzuki, la Bandit.
On roule de plein, on a fait quelques balades ensemble et il le sait. Maintenant il se fout derrière moi, il est calé et il me laisse passer, il se fout derrière moi. Parce qu'il sait qu'on va à peu près au même rythme. Ouais. Coteau bleu. C'était l'opposé. Derrière l'autre collègue il pouvait pas, mais derrière moi nickel. Ouais, pas cherché. Ouais, différents styles de conduite. Faut te caler derrière la personne avec qui tu te sens bien et là ça va tout seul. Moi j'avais un peu d'appréhension, j'ai fait une sortie il y a un mois avec des gars que je connaissais pas et ça roulait fort et j'ai pas pu les tenir. Non bah... Du coup j'ai voulu forcer pour les tenir, je me suis fait deux frayeurs, j'ai fait une méthode. Moi toute la gueule au tas. Ouais j'ai dit. C'est ça. Tu vas à ton rythme, même les mecs généralement si c'est pas des enculés ils t'attendent plus loin. Moi, ouais bah oui après oui. Ouais c'est ça. Après, oui. Les mecs ils s'attendent, même si c'est 4, 5, 6, 7, 10 km, mais généralement ils t'attendent. Ça chacun se fait plaisir, voilà. Moi l'arrache. C'est que après je vous attendais, j'ai dépassé la bannière. Par contre l'autre elle m'a pété les couilles, là l'étranger. Bon allez on va y aller. Elle fera du bien. Putain. Ça, ça calme. Putain, ça calme, hein. Heureusement que c'est à l'intérieur. Ouais. Ah ouais. C'est reparti après la petite pause bistrot bien sympa, on descend mais bon vu qu'il y en a qui sont de Montélimar et d'autres de Valence comme moi, ben je crois qu'on va se diviser, chacun va rentrer par la route la plus courte. En ce qui me concerne je vais arriver à 7h du soir. C'était un super après-midi, noir de moto, un régal. Ça roulait bien, c'est super beau, que des gars sympas, des gars et des filles, bonne ambiance, à refaire. Le groupe Motor 2607 au top. On arrive à la fin de la balade, ma première grosse sortie de groupe, où vraiment j'ai pris mon pied, ça roulait bien à l'aller, bonne ambiance. La descente solo, mais bien cool, bien cool. Grosse après-midi moto, mais bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de rouler. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je dis à la prochaine au groupe Motard 2607. Et à la prochaine à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Allez, salut.